Salut tout le monde, c'est Chantal Veillancourt de Royal Lepage, puis aujourd'hui, je vais vous donner une mise à jour du marché immobilier de Laval-Ouest en moins de 2 minutes. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier trimestre de 2021, on a eu 44 maisons de vendues ici à Laval-Ouest. Le prix médian des prix vendus était de 381 500 $. En ce moment, on a juste 24 maisons à vendre. La médiane des prix demandés en ce moment est d'environ 400 000 $. La demande est toujours plus forte en 2021 qu'elle était en 2020. Donc, les prix ont augmenté cette année de beaucoup. Les maisons se vendent partout, même dans la zone inondable en ce moment. Vraiment, il n'y a rien qui arrête les acheteurs désespérés. Comme vous pouvez voir, nous avons une baisse massive d'inventaire dans les derniers 5 ans et une augmentation flagrante des prix dans les derniers 12 mois. Donc, les vendeurs qui essayent de vendre en ce moment sont morts de rire. Il y auront en général plusieurs offres d'achat et l'embarras du choix pour les conditions. Pour un acheteur, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter en ce moment avec le prix médian de 400 000 $? En général, ce que vous pourrez vous acheter, c'est un bungalow à plein pied, habituellement des années 70 ou 80, qui n'est pas trop rénové. Trop rénové, on parle de beaucoup au-dessus du 400 000 et à ce prix-là, on n'a habituellement pas un garage. Donc, c'était tout pour moi pour la mise à jour du marché pour le secteur de Laval-Ouest. Abonnez-vous si vous voulez ceux des prochains secteurs de Fabreville et de Saint-Eustache ou pour les prochains sur Laval-Ouest aussi. À la prochaine! Bye bye!